Putain, il me faut quoi l'autre? Ça fait 15 minutes qu'on l'attend là. Ouais, c'est un peu chiant à la longue. Il prend son temps, le... Il s'appelait comment déjà? Je sais plus, lieutenant Kaiban, je crois. Et d'ailleurs, ton nom à toi, c'est Talon, non? Non, Tyler. Ah, exact. Bon bah, vous savez quoi? Moi j'en ai marre d'attendre, je vais faire un tour. Je reviens dans 5 minutes. Ok, bon bah, Tyler? Quoi? Tu peux répéter là? À Tyler? Alors là, personne se fout de la gueule de mon nom. Viens par ici, je vais te défoncer. Ah ouais? Je me rends parce que je suis chaud. Oh, arrêtez les mecs. La violence, ça résout rien. Oh! La poisson du bonheur! Bon, bande de lopettes, on va se calmer 2 secondes là, ok? Ça me fait mal à la tête quand des abrutis gueulent. Et ça me fait trop mal à la tête d'avoir mal à la tête. La seule chose qui me mérite, c'est la boisson du bonheur. Hey, vous êtes les 3 recrues, c'est ça? Ok, alors c'est parti! Je vous salue, bande de tafioles. Mon nom à moi, c'est Sergent Artilleur Ackerman. Je connais pas vos noms à vous, et en réalité, je m'en tamponne royalement. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous apprendre à manier tout ce qui fait BOUM, BANG, BAM, BAM. Enfin, en d'autres termes, tout ce qui fait du bruit et qui provoque des grosses explosions. Alors, sans plus tarder, on va commencer par mon arme favorite, le lance-roquettes. C'est certainement l'arme la plus kiffante que je connaisse. Rien peut résister à son souffle dévastateur. Mais comme une démonstration vaut mieux que des paroles, venez par ici, je vais vous montrer. Vous voyez les 2 gus là-bas? Non mais sérieux, t'as vu la gueule de mon armure? Il m'a refilé une couleur de merde. Non, tu te gourres. C'est moi qui ai une couleur de merde. Ah oui, désolé. Enfin quoi qu'il en soit, je crois que je vais pas tarder à me plaindre auprès de l'UNSC. C'est vrai quoi, on nous promet des conditions de travail excellentes, et en fait on nous prend pour des cons. Je te jure, c'est vraiment une belle bande de fils de... BOOM STRIKE wow. Oh putain mazette. Y'a rien de plus revigorant que l'explosion d'une roquette. Vous avez vu? Vous avez vu? Je vous avais pas raconté de bobard, hein. Le lance-roquette, ça c'est une arme. C'est quand même pratique de pouvoir s'entraîner sur tous ces cyborgs quand même. Ah mais non, c'est pas des cyborgs, c'est juste des mecs qui me font chier. Ah. Eh, c'est quoi ces airs de victime? On dirait que vous êtes constipé. Vous êtes pas dans votre assiette? Faites comme moi, prenez une boisson du bonheur et vous oublierez tous vos malheurs. Si ça continue, nous aussi il va nous tuer. Super, ça craint. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on se demandait juste si on pouvait pas s'entraîner sur des cyborgs comme d'habitude. Enfin, si vous voulez bien. Bah, de toute façon, le général m'en a donné l'ordre, alors ça se passera pas autrement. Eh ben, pour une fois qu'il fait un truc bien. Bon, on va un peu arrêter de se toucher la nouille et on va passer à l'action maintenant. Allez, c'était Lem, tu commences. Attention, ils arrivent. Allez, chante-les! Chante-les! Triple froid. Eh, vous avez entendu? Non, j'ai rien entendu. Tant pis. Top! Pas mal, Green Winch, pas mal. Bon, allez, au tour du Schtroumpf maintenant. Bien joué, mon petit. Il reste plus que le chaperon rouge. Allez, c'est parti. Tire, bordel! Tire! Oh yeah! C'était de la balle! Bien joué! Toutes ces explosions, ces traînées de fumée, ces envolées de flammes! Ah! Du pur bonheur! Par contre, c'est fini pour aujourd'hui les Power Rangers! Moi, j'ai ma boisson du bonheur qui m'attend! En d'autres termes, bonne nuit et à demain!
Alors, vous en pensez quoi d'Ackerman? Sérieux, il fait flipper. En plus, il fait chier à nous donner des surnoms comme ça. Ouais, moi aussi, ça me brise, ça. Ouais, mais bon, si ça se trouve, il était de mauvais poids aujourd'hui. Allez, bonne nuit, les mecs. Et puis, il paraît que la nuit porte sommeil. Oh non, tu vas pas commencer, hein. Ah, désolé, un réflexe. Bon, allez, à demain, hein. Ou à deux pieds, comme vous voulez. Shepard! Ah, ok, ok, c'est bon, c'est bon. Bien le bonjour les Zygotos, j'espère que vous êtes motivés, parce qu'il nous reste 3 jours pour apprendre à utiliser toutes les autres armes. Vous êtes chauds, mes petites marmottes en miel? Marmottes en miel? Ouais, Force Rouge, c'est votre nouveau surnom. Ça dérange quelqu'un ou quoi? Non, ça va. Ok, alors c'est parti, on y va! Eh bien, mes petites marmottes en miel, que dire, que dire? J'ai pris mon pied! C'était magnifique! Merci pour ces 4 jours au paradis! Toutes ces explosions, ces flammes qui dansaient dans une valse sans fin, nourrissant nos esprits perdus dans les abîmes de l'ignorance! Comment ne pas jouir de cette vague de décibels qui chuchote à nos oreilles une mélodie que seuls les anges peuvent comprendre? Ah! Ça va me manquer tout ça! Heureusement, il me reste la boisson du bonheur! Hé! Hey, vous faites quoi là, me regardez comme ça? On dirait 3 pigeons devant un bout de pain périmé. Allez, le général vous attend. Merde, faut vous le dire en quelle langue? Allez, bougez votre cul! Eh bien. Si on m'avait dit que vous ressortiriez de la formation d'Ackerman sans cicatrice, j'aurais eu du mal à y croire. Quoi qu'il en soit, cela signifie que votre formation touche à sa fin. Mais la petite surprise, c'est qu'il vous reste une dernière épreuve avant de devenir de vrais riches. Rejoignez-moi demain à l'aube devant le pont. Et dormez bien, car ce sera peut-être votre dernière nuit en vie. Voilà, nous y sommes. Après ces 2 semaines passées dans la base d'entraînement bêta, vous avez fait d'énormes progrès, au point de réussir entièrement votre formation. Mais il reste en effet une dernière étape avant que vous ne rentriez définitivement dans l'armée Reach. De l'autre côté de cette falaise se trouve une base secrète. Il s'agit du QG d'un groupe d'espions que nous recherchions depuis pas mal de temps. Ils nous ont volé un document qui contient des informations classées secret défense. Votre mission est de récupérer ce document, avant qu'ils ne réussissent à en décrypter le contenu. Il se trouvera à l'étage le plus bas, et vous vous infiltrerez par le toit. Inutile de vous dire que ce document est bien gardé. Alors, vous devrez agir rapidement et de façon efficace si vous ne voulez pas échouer. Si vous réussissez, vous deviendrez de véritables riches. Eh bien, Shepard, on n'a pas droit à une calembour cette fois. Non, mon général. Ah, tiens. Et que nous vaut cet honneur? Je ne repartirai peut-être pas complètement changé de cette formation, mais j'aurai au moins appris une chose. Il y a un temps pour rigoler et un temps pour pas le faire. Eh bah, dis donc. J'aurais tout entendu. Dans ce cas, allez-y, soldats. Et n'oubliez pas, si vous voulez revenir en un seul morceau, travaillez en équipe. Bonne chance, soldats. On se retrouve ce soir. Je suis les envoyer à l'abattoir quand même.
Bon, c'est pas tout, mais j'ai faim, moi.